vous êtes trop nombreux pour répondre si faiblement. Bonsoir à tous. Waouh, ça fait vraiment plaisir de voir à quel point vous êtes nombreux, là, cet après-midi. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir. Nous vous souhaitons la bienvenue ici. Sentez-vous à l'aise, installez-vous confortablement afin de pouvoir apprécier ce programme qui a été préparé pour vous. Avant de commencer, je vous propose de vous mettre debout et ensemble, nous adresserons une prière à notre Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Seigneur, c'est vraiment une grande joie de pouvoir nous retrouver tous ici cet après-midi. Nous sommes là parce que nous voulons t'offrir le meilleur de nous. Nous voulons t'offrir tous ces chants, toutes ces musiques épicées de toutes sortes. Et nous voulons le faire, Seigneur, de tout notre cœur. Merci parce que nous savons que tu es présent maintenant au milieu de nous. Et merci pour la présence de tous cet après-midi. En ton nom et pour ta gloire, nous te prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, musique épicée. C'est le titre que j'ai choisi de donner à ce temps que nous allons partager ensemble. Je viens d'une île, la Guadeloupe, où les épices ont une place très, très importante. On ne cuisine pas chez moi sans épices. S'il n'y a pas d'épices, le repas est fade, pas de couleur, pas de goût. On n'a pas envie d'y manger, d'y goûter. Alors cet après-midi, je voudrais vous inviter à voyager. Ce voyage sera joyeux, plein d'entrain, plein de vie, car il sera animé de musique épicée. Les styles musicaux que vous allez entendre sont très variés, peut-être différents de ce que vous avez l'habitude d'écouter, peut-être pas forcément ce que vous aimez, mais un peu comme les épices, je pense qu'il y en aura pour tous les goûts. Alors que vos sens soient en éveil, et qui sait, peut-être qu'à la fin de ce voyage, vous découvrirez que vous aimez une de ces épices. Alors, pendant que les enfants de l'école primaire Maurice Thiège s'installent, voilà, quand j'ai pensé aux enfants, j'ai pensé à deux épices, la muscade et la cannelle. Pourquoi ? Ce sont des épices qu'on utilise beaucoup dans la confection de gâteaux, de biscuits, et ben, nos enfants en raffolent, vous le savez. Alors, je vous laisse apprécier ces deux chants que vont nous interpréter les enfants de l'école Maurice Thiège. Thank you.
Waouh, quelle énergie! Encore des applaudissements pour les enfants de l'école primaire Maurice Thiège. Tandis que les enfants vont rejoindre leurs parents en silence, j'aimerais vous parler du gingembre. Les paroles des deux chants que le cœur du Genevois qui s'installe vont nous interpréter m'ont fait penser à cette épice, le gingembre. Vous le savez, le gingembre est un excellent tonifiant et fortifiant de l'organisme. Et parfois, quand il nous arrive d'être fatigué, de ne plus avoir envie, de ne rien faire, de baisser les bras, qu'on se sent prisonnier de notre quotidien, on ne pense pas toujours à chanter. Y avez-vous pensé, vous, à chanter quand vous n'avez pas trop la forme ? Moi, ça me fait un peu l'effet du gingembre quand je chante. Ça me redonne la pêche. Mais je laisse le cœur du Genevois vous en dire plus. J'espère que vous aimerez le gingembre. En tout cas, notre volonté, c'est vraiment de partager, de faire suite à cette belle chorale des enfants et partager cet amour, cette bonté que Dieu déverse sur nous. Dans le champ libre. De ta part de vie.
suis libre avec toi. Deuxième chant qu'on aimerait vous interpréter, ben c'est dire la joie et combien ça nous rend comblés, cette liberté que Dieu nous donne, si comblés. Thank you.
paroles de ce chant m'ont fait penser au gingembre. Vous comprenez maintenant, hein? Ça donne la pêche, ça bouge et ça tonifie bien. Alors, les trois groupes qui vont se succéder maintenant, je leur ai attribué le piment. Alors, il y a des piments doux, des piments très forts. Et je ne sais pas si vous avez déjà mis sur la langue un petit bout de piment. On a juste l'impression que le feu nous part du bout des orteils, que ça nous monte jusqu'à la tête et on devient tout rouge. Ben, c'est ça. Ces trois groupes, c'est un peu ça. Ça bouge, ça swing, c'est chaud, c'est fort. Alors écoutez. Thank you.
Le chant que je vais vous interpréter maintenant s'intitule Shiloh. Alors la traduction est assez complexe, mais ce que j'ai décidé de retenir, c'est que cette traduction pour moi signifie « celui qui fait la paix », Shiloh. Thank you.
Donc bonsoir à tous. Vraiment, ça a été pimenté. Merci les élèves du lycée Maurice Thiesch. Et donc notre groupe STM, Saint-Panathanour à Malagas, va vous interpréter un chant qui s'intitule « Alléluia ». Mais les paroles signifient « Nous rendons gloire et honneur donc à celui qui nous a créés, Jésus, Dieu notre Père ». C'est bon, vous n'avez pas trop chaud? Ça va? Alors, ils sont juste trois, voilà, trois jeunes hommes qui se sont réunis donc pour l'occasion, un peu comme une minuscule graine de moutarde qui toute seule est peu piquante, mais quand on la prépare, ben, ça nous monte rapidement au nez si on en prend trop. Alors, ils se sont mis ensemble, ont ajouté un peu de chacun d'eux
et ça donne ce joli trio. Que ton parfum remplisse ma vie. J'aimerais t'en savoir comment grandir devant le Seigneur. Oh, oui, que mon être tout entier soit un pur reflet de ta beauté. Oh, 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 oh. Et que l'étoile du matin se lève dans mon cœur aujourd'hui. Sainte clarté, on ne servit que toi, accomplir toujours ta volonté. Yeah. Fais de moi, Seigneur, ton témoin. Un disciple prêt à t'obéir. Ooh. Étoile du matin, lève-toi dans mon cœur aujourd'hui. Dans ce monde d'obscurité, autant de menaces s'accumulent. Donne-moi ta lumière, afin que je suive ton chemin. J'aimerais que mon être entier soit un peu reflet de ta beauté. Ooh. Et que l'étoile du matin se lève dans mon cœur aujourd'hui. Yeah, yeah. Je voudrais te suivre, éclairé par ta sainte clarté. Yeah. Oh, ne servir que toi, accomplir toujours ta volonté. Fais-moi, Seigneur, ton témoin, un disciple prêt à t'obéir. Ooh. Étoile du matin, s'élève dans mon cœur aujourd'hui. Oh.
sainte clarté. Oh, ne servir que toi, accomplir toujours ta volonté. Fais de moi, Seigneur, ton témoin, un disciple prêt à t'obéir. Ouh. Étoile du matin, lève-toi dans mon cœur aujourd'hui. Étoile du matin, lève-toi dans mon cœur aujourd'hui. Accueillons maintenant le groupe Fiderana. Chaque année, ce groupe est fidèle à ce rendez-vous de clôture académique et j'ai choisi de leur associer le poivre. Le poivre parce que cultivé à Madagascar et vous aurez donc remarqué qu'ils sont tous originaires de là-bas. Et un peu comme le poivre, chaque année, il nous apporte ce petit assaisonnement. Alors, merci à Fiderana d'être fidèle. Ils vont nous interpréter deux chants. La traduction sera affichée et vous pourrez la suivre. Bonne écoute. Thank you.
cha, ani, adani cha, ani, adani cha, tianyana. Alors, nous allons partir maintenant en Polynésie. Et je ne pouvais pas choisir une autre épice que la vanille. Alors, je vous propose simplement de fermer les yeux, de respirer, de sentir cette odeur de vanille. Et peut-être que ce groupe de Tahiti fera revenir le soleil qui nous manque tant. Et je vous laisse apprécier ces notes de musique polynésienne. Bonsoir à tous. Excusez-nous, hein, juste pour un petit problème de technique. C'est normalement comme si je suis en haut. Donc je vais demander à mon élève de regarder en haut, s'il te plaît, du logiciel où c'est marqué output. Et tu lâches l'output, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Frédéric, s'il te plaît, si tu peux aider. L'output qui est juste en haut. Ok, super. Okay, tu peux mettre la vanille?
Comme ça, je suis sûr que ça marche. Mais en attendant que justement la technique se prépare, ben on voudrait juste vous remercier pour le privilège que vous nous donnez à pouvoir partager avec vous ces deux louanges. Et voilà, et partager avec vous l'odeur de la vanille. Et on voudrait faire un petit clin d'œil donc à ceux qui nous regardent en direct de Tahiti. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Voilà.
Vers les musiques épicées arrive à son terme et c'est l'orchestre qui conclura ce moment. Alors quand j'ai réfléchi à l'épice que j'allais associer à cet orchestre, j'ai pensé à la poudre à Colombo. Cette poudre est le résultat de beaucoup d'épices, beaucoup d'autres épices, et cet orchestre en fait est constitué d'une vingtaine de musiciens, de professionnels, d'amateurs, d'étudiants, de collégiens, de lycéens, de professeurs. Alors, je vous laisse découvrir cet orchestre, juste quelques minutes le temps qu'il s'installe.
Voilà. Oui, merci à l'orchestre pour ces trois magnifiques pièces, vraiment. Alors, nous arrivons au terme de notre voyage et je voudrais, on l'a déjà fait ici, remercier l'orchestre pour ses belles prestations, remercier les enfants de l'école primaire Maurice Thiesch ainsi que l'équipe enseignante, les parents qui ont emmené leurs enfants jusqu'ici. Remercier le chœur du Genevois, le band du Salève, les élèves du lycée Maurice Thiesch et leur professeur Priscille. Le groupe STM. Notre trio, nos trois jeunes hommes. Merci à eux. Le groupe Fiderana. Et le groupe des Tahitiens. Alors, je ne voudrais pas oublier toutes les personnes de la technique, Dolson, Jacques, tous ceux qui sont à la vidéo. Blondel pour les PowerPoint, toutes les personnes là-haut. Et bien sûr, je voudrais vous remercier, vous, cher public, vraiment un public formidable. Merci pour vos applaudissements, vos encouragements, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et puis nous voulons terminer ce programme en remerciant notre Seigneur. Et c'est notre directeur général, M. Ralph Wegner, qui nous conduira dans la dernière prière. Je vous invite à vous mettre debout.
Oui, notre Dieu, merci pour ce moment merveilleux où nous avons pu découvrir ou redécouvrir les talents des uns et des autres pour t'apporter gloire. Oui, c'est dans la diversité, petit comme grand, jeune comme personne âgée, que nous avons voulu t'apporter notre reconnaissance. Notre reconnaissance parce que tu es notre Créateur, mais aussi parce que tu nous as guidés et protégés durant cette année scolaire. Merci Seigneur de t'apporter cette gloire et ces louanges, parce que tu es tout pour nous et tu fais tout pour nous. Et c'est pour cela qu'il est merveilleux de l'exprimer par les différents talents que tu nous as donnés. Veux nous accompagner encore durant ce sabbat et que nous puissions apprécier et laisser résonner en nous les différentes mélodies pour continuer à te louer au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous vous souhaitons une agréable soirée. L'orchestre nous accompagnera pendant la sortie. Vous pouvez rester, écouter, comme vous le souhaitez. Bonne soirée à tous.